Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui je viens tester une paire de chaussures en réalité virtuelle à 400 balles la paire quand même. Ça s'appelle les Cyber Shoes, ça a été financé sur Kickstarter et je viens de recevoir ma paire. Allez, on démarre par un petit unboxing de la boîte. À l'intérieur de la boîte, on trouvera bien évidemment les deux Cyber Shoes. On a ce petit bitonio qui va servir d'émetteur. Il file aussi de quoi manager votre câble avec le matériel adéquat. En prenant les Cyber Shoes, on a droit aussi à un tapis, voilà, pour pouvoir mettre sa chaise dessus et pouvoir utiliser les Cyber Shoes qui vont rouler sur cette surface qui apparemment serait plus adaptée. C'est rigolo, il file aussi une tige de suspension qui permet d'adapter votre chaise de bureau avec un peu plus de sécurité parce qu'apparemment celles qui possèdent des tiges plus fines sont plus dangereuses quand on utilise les Cyber Shoes, ça provoque quelques chutes. Donc ils conseillent d'utiliser la leur. Alors déjà, avant de commencer, il va falloir préparer sa zone de jeu. En effet, il va vous falloir manager votre câble, c'est-à-dire en gros, soit l'accrocher au plafond comme j'ai fait moi, soit le mettre sur une tige, on en trouve par exemple sur Amazon. L'objectif étant que votre casque pende au-dessus de votre tête, sinon vous allez tout simplement vous emmêler en tournant sur vous-même sur votre chaise. Sur votre chaise, puisque les Cyber Shoes se jouent assis. Pas question d'y jouer debout, sinon vous risqueriez de tomber, vous allez être sur une espèce de roulette, un peu comme des patins à roulette. Et donc si vous mettez debout, vous allez perdre l'équilibre. D'ailleurs, ça faisait un petit moment que je pensais à un sondage, petit sondage dans les commentaires. Est-ce que vous préférez jouer debout ou assis aux jeux dans lesquels on est amené à se déplacer en réalité virtuelle? Je vous parle pas des simulations, je vous parle vraiment des jeux voilà, type Boneworks, type Skyrim, etc. Les jeux où vous vous déplacez en réalité virtuelle. Donc en tout cas, moi pour les Cyber Shoes, j'ai choisi d'utiliser l'une de mes chaises. Il faut que la chaise soit fixe, faut pas qu'elle soit sur roulette, sinon comme vous allez pousser sur vos jambes, ça va rouler. Et donc le concepteur recommande plutôt une chaise type un peu barre, vous savez, sur des pieds assez fins. D'ailleurs, il propose deux packs différents, un à 325 €, ça correspond grosso modo au pack que je vais vous présenter aujourd'hui, et un autre autour de 400 € qui lui inclut la chaise. L'installation des Cyber Shoes, c'est assez facile. Il y a un récepteur à brancher en micro USB à votre ordinateur. On appuie sur les deux petits boutons sur chacune des chaussures pour pouvoir les allumer. On restera d'ailleurs appuyé sur ces mêmes boutons pour pouvoir les éteindre. Ça se synchronise avec le récepteur. Si ça fait des petits flashs lumineux bleus partout, c'est normal. Puis on va sur le site officiel, on télécharge le logiciel qu'on va installer. Et comme ça, le menu sera directement disponible dans SteamVR. Côté chaussures, c'est pareil, c'est assez simple. On pose les pieds sur les sandales, on serre le système de fixation et on peut utiliser le petit clapet pour les serrer au maximum. Et ça tient plutôt bien aux pieds une fois qu'on les a bien serrés. On peut alors choisir entre deux modes. La direction va suivre soit le regard du casque, soit les chaussures. Bon, le mode avec le suivi des chaussures est beaucoup plus sympa et réaliste quand il est bien géré, mais parfois ça correspond pas super bien à la direction. Donc dans ces jeux-là, il sera préférable d'opter pour le suivi du regard. Alors j'ai commencé mon essai avec la démo technique fournie par Cyber Shoes. Force est de constater que c'est très intuitif, en quelques secondes on comprend comment ça fonctionne, il faudra juste passer par le menu Cyber Shoes pour comprendre comment le saut fonctionne car lui il n'est pas vraiment intuitif. La démo réagit bien avec des accélérations qui semblent assez bien correspondre aux accélérations réelles que je donne aux chaussures. Les rotations aussi, même si parfois j'ai des rotations un peu étranges, mais ça reste assez occasionnel pour que ça ne gêne pas trop l'expérience. Le mode à reculons est assez bien détecté aussi. Allez, on passe tout de suite dans les jeux. Alors déjà, les chaussures sont compatibles SteamVR. Il faudra donc à chaque fois passer par ce logiciel pour que cela fonctionne. Comprenez par là que si vous avez des jeux achetés sur l'Oculus Store, il faudra passer par Revive pour les faire fonctionner. Ensuite, les jeux cités compatibles disposent d'un profil de contrôleur qui va être à appliquer via le menu Steam. On passe par la configuration, on cherche le bon profil et on l'applique. Ensuite, on repasse systématiquement par le menu Cyber Shoes pour lancer une petite calibration. On peut aussi jouer sur le paramètre Z-index en fonction de si vous voulez que le programme simule la position debout ou non. Il faudra aussi bien vous assurer d'avoir mis les bons paramètres dans le jeu, à savoir des rotations fluides et des mouvements fluides aussi, sans téléportation bien évidemment. Alors pour les jeux, j'ai vécu différentes expériences. Dans Arizona Sunshine par exemple, j'ai pas été super convaincu par la gestion de la vitesse et des rotations. En gros, on a droit à deux vitesses différentes, un peu du genre marcher ou sprinter, et l'une ou l'autre s'active en fonction de la vitesse. Bref, c'est pas super naturel et les rotations semblaient un peu différentes de la réalité par moment, donc pas super évident pour se déplacer.
Néanmoins, il est vrai que le très bon point de ce type de contrôleur, c'est que cela libère les mains des fonctions de déplacement et cela permet donc de se concentrer sur la visée ou les rechargements. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça immerge un peu plus, faut bien le reconnaître, qu'un système par manette classique. Dans Boneworks, j'ai trouvé que les chaussures fonctionnaient mieux avant même que j'applique la configuration recommandée des contrôleurs. Les rotations étaient plus précises que dans Arizona Sunshine, même si toujours pas parfaites, et surtout le rythme de déplacement beaucoup plus adapté et naturel. Notez aussi que si le jeu me donne vraiment mal à la tête en temps normal, car il ne propose pas de déplacement en téléportation, j'ai eu la sensation de ressentir un peu moins de gêne avec ce système de déplacement. Là encore, la gestion des déplacements avec les pieds rend les choses plus naturelles que de jouer en simple position assise. Côté autonomie du périphérique, elle est annoncée à 10h après 3 heures de charge, mais attention à bien éteindre vos cybershoes après utilisation puisqu'il ne semble pas y avoir de mode veille. Allez, sans plus attendre, je vais donc vous donner mon avis sur ce produit. À 400€, chaise comprise, jetez-vous dessus, je pense que les concepteurs ont véritablement trouvé comment révolutionner les déplacements en réalité virtuelle. Non, je déconne, ça c'est vraiment ce que j'aurais aimé pouvoir vous dire parce que moi je les ai achetés, parce que le périphérique m'intriguait, mais non, on est très très loin d'avoir trouvé la solution idéale de déplacement en réalité virtuelle. Alors à la décharge de CyberShoes, je trouve que malgré tout ils ont essayé de faire du bon boulot. On est face à un produit relativement bien fini quand on sait qu'il a été financé sur Kickstarter. Il y a une vraie volonté d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Ils fournissent un tapis, ils fournissent même une tige pour améliorer sa chaise, ils fournissent même la chaise si vous prenez l'autre pack. Bref, on est quand même sur une solution assez complète et assez qualitative. Mais voilà, je dois être un très mauvais client pour ce type de solution. C'est-à-dire que je vous parlais du sondage, et je vous rappelle le sondage que j'émettais en début de vidéo. Je vous demandais si vous, vous étiez plutôt joué debout ou joué assis en réalité virtuelle. Au jeu, on est censé se déplacer debout. Bah moi, je suis clairement dans la première catégorie, à savoir ceux qui préfèrent jouer debout. Voilà, j'ai vraiment horreur de jouer assis en réalité virtuelle, et donc je pense que ce produit n'est tout simplement pas du tout adapté pour moi. Ça me casse vraiment l'immersion et personnellement, je préfère des solutions qui, à la rigueur, pourraient nous faire marcher sur place debout type Natural Locomotion que des solutions où on joue assis comme les CyberShoes ou même le 3D Rudder. Mais justement, j'ai beaucoup de mal à voir où se place ce produit. Je parle de sa cible commerciale. Puisque si le 3D Rudder, c'est clairement fait et je peux comprendre un périphérique pour pouvoir jouer assis, proposer une solution pour jouer assis, dégager ses mains et ne pas se fatiguer, c'est pour les gens qui ont vraiment envie de jouer tranquille pendant de longues sessions de jeu. Ici, en fait, bah, vous le voyez, hein, pendant toute la vidéo, alors déjà, on a l'air un peu con, mais on secoue les jambes. Et du coup, c'est quand même assez fatigant. Donc, en gros, on vise des joueurs qui s'assoient pour ne pas se fatiguer et on les fatigue en leur faisant secouer les jambes. Bref, je dois pas être le bon public et donc il est peu probable que je joue avec, malheureusement. Par ailleurs, il faudra voir si le périphérique tient sur le long terme puisqu'on est sur une solution avec une petite roulette en dessous qui n'est pas sans rappeler les souris à boules qu'on avait d'antan, et ceux qui connaissaient sauront que la poussière, bah, ça ramassait pas mal. Bon, les concepteurs assuraient sur leur Kickstarter que c'était pas du tout comparable et que ça ne serait pas le cas. On veut bien les croire, mais il faudra voir quand même sur le long terme. Bon, dans les bons points quand même, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'au bout d'un certain temps, j'ai ressenti une certaine immersion à pouvoir me déplacer en simulant un mouvement de marche. Et du coup, je pense que pour le gars qui adore jouer assis à ces jeux en réalité virtuelle, qui cherche un petit plus d'immersion, pas trop de fatigue un petit peu, mais sans trop, être capable de se dépenser un peu, ça peut éventuellement être un produit qui peut lui convenir. D'ailleurs, en parlant de se dépenser, il y a un petit onglet qui est censé nous informer sur la distance parcourue. Malheureusement pour moi, c'est resté figé à zéro toute l'expérience, c'est dommage parce que ça peut être le petit côté gadget intéressant. Bref, tout ça pour vous dire que, sauf pour ce cas précis, le gars que j'expliquais juste avant qui adore jouer en réalité virtuelle assis et qui cherche le petit plus d'immersion, j'aurais beaucoup beaucoup de mal à vous recommander ce produit qui n'est quand même pas donné. En tout cas, moi j'espère que ce test vous aura intéressé. N'hésitez pas vous aussi à poster dans les commentaires vos avis sur le produit, que vous l'ayez testé ou non, et plus généralement ce que vous pensez de la réalité virtuelle debout ou assis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt !